let's all go inside to see because everybody's in it. Let's go. The door was open. Le soleil.
drapeau de l'AS. We were on the outside the fort, and then we came in. Very good that you have come from the United States. John Wood, Chief Master Nelson. Are you living here in Belgium? Oh, no. I think it would be better to agree, because that's where we will Very good. Hold on to that.
then Nick Lizondo, who was on Nick Sigals, John Bessender, Dizzy Tessuk, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le colonel de médecin, représentant le général Chatelier, Monsieur Faisenbach, commandant de la place, Monsieur le capitaine Zonzalski, représentant le 29e régiment d'artillerie de campagne, Mr. and Mrs. George Bobal, Mr. and Mrs. David Patterson, Monsieur le conseiller provincial, Monsieur le sénateur, Monsieur le député, chers collègues, Mesdames, Messieurs, chers camarades. C'est avec une émotion profonde que je prends la parole ce matin à tous ceux qui sont morts pour que nous puissions vivre libres. Aux militaires des forces alliées, à notre brigade Pirot, aux combattants et résistants de l'ombre, nos pensées reconnaissantes aujourd'hui leur sont pleinement destinées. Jamais nous ne pourrons à leur égard nous acquitter d'une dette morale aussi conséquente. Sans le sacrifice de leur vie, sans le sacrifice de leur jeunesse, nous serions encore sous la botte de l'envahisseur nazi. Combien d'entre nous n'auraient jamais revu notre pays, nos proches parents? C'est pourquoi les journées du 8 mai et du 11 novembre ne doivent jamais rentrer dans la banalité ni dans la routine. Mais notre présence ici, devant ce monument, doit être un moment de commune union avec ceux, morts et vivants, qui ont donné leur sang, leur sueur, leur peur parfois, pour apporter à notre peuple la possibilité de vivre dans la paix retrouvée. Dès le 5 juin 1944, lorsque, à la réunion de l'état-major, le général Dwight Eisenhower a lancé le Hellscout, l'avenir s'éclairait d'un jour nouveau. Et en septembre 1944, jour de joie, de liesse pour les villes et villages belges, la libération attendue pendant 4 ans était enfin là. Comme aujourd'hui, là où les cloches de nos églises n'avaient pas été volées par l'ennemi, elles ont sonné dans l'allégresse d'une foule débordante de sentiments indéfinissables. Sentiments à la fois de la joie d'être libre, mais à la fois aussi dans l'attente de tous ceux qui se trouvaient encore au-delà du Rhin. Il faudra patienter encore de longs mois avant de les revoir. Combien de temps encore avant d'entendre le clairon sonner le cessez-le-feu? Sans compter l'inquiétude de cet angoissant hiver 44 où nos Ardennes connurent encore une fois les rigueurs de l'occupation. L'on peut s'imaginer facilement les heures longues et pénibles de cette population ardennaise à nouveau soumise à l'oppression longue et sans pitié d'une armée victorieuse, certes, mais revancharde et barbare. Heureusement, le ciel allait s'éclaircir. Pour nous tous, l'héroïque défense américaine à Bastogne et le nuts historique du général McAuliffe
ont été et resteront le symbole de la volonté inébranlable des Alliés de libérer l'Europe de celui qui voulait construire un empire qui devait durer 1000 ans. Je ne peux, en regard de ce dictateur, que rappeler cette figure légendaire de Winston Churchill, qui, en 1940, seul, et alors que tout semblait confirmer cette ère millénaire, il s'est levé et a demandé à son peuple des sacrifices énormes, et n'ayant à leur promettre que du sang et des larmes. Notre merci va vers lui, vers son pays, la Grande-Bretagne, à ses pilotes qui ont non seulement gagné la bataille d'Angleterre, mais selon de nombreux historiens, gagné la guerre en sortant victorieux de la Luftwaffe dans le ciel britannique. C'est le même Premier ministre qui nous a laissé ce message qu'il est bon de méditer et de repenser souvent. Au moment où des extrémistes demandent et réclament l'amnistie, je cite Winston Churchill, « Oublier le passé, c'est se condamner à le revivre. » Breath.
Prepare. Face. Parade. Prep. Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de me joindre à Monsieur le Bourgmestre pour vous saluer toutes et tous dans le respect protocolaire de vos titres, fonctions et qualités. Notre cordiale bienvenue va plus particulièrement à nos invités américains, Mrs. Caroline Helsler, Mr. John Wood, Master Chief Nelson, qui représente Monsieur l'ambassadeur des États-Unis en Belgique. Je salue également le capitaine Strong, qui commande la garde d'honneur, qui va dans un instant hisser le drapeau américain qui a flotté sur le Capitole. Ce drapeau américain, nous l'avons reçu de Monsieur George Bobel, qui fut parmi les premiers libérateurs. Monsieur George Bobel est ici avec, ainsi que Mrs. Dorothy Patterson Davis, fille du capitaine Patterson, premier commandant militaire de Nivelle. Ils sont nos invités d'honneur avec les représentants de la 350e escadrille, escadrille avec laquelle la ville de Nivelle a des liens particuliers, puisque Désiré Guillaume, un de ses bourgmestres, en fut le premier commandant belge. Nous saluons ses invités d'honneur. It's my privilege, on behalf of the authorities and the people of Nivelle, to greet, welcome and thank for their being here with us today to commemorate events which have made us friends forever. Thank you. Mesdames, Messieurs, il y aura exactement 50 ans demain que le capitaine Jordan de l'armée américaine entrait dans notre ville. Nivelle était libérée. Nivelle était libérée après 4 ans d'occupation. Après 4 longues années d'occupation. C'est cet anniversaire que nous commémorons et nous avons voulu donner à cet événement l'éclat et la solennité qu'il mérite. Merci d'avoir répondu à notre appel. Pour le célébrer et en quelque sorte l'illustrer, nous avons privilégié aussi deux événements dans nos souvenirs. Le 50e anniversaire du corps nivellois, reconstitué le 4 septembre 1944. Dans une ville où les Allemands avaient disparu, mais où nos libérateurs n'étaient pas encore présents. Nous avons également choisi de privilégier le bal de la libération donné par Jacques Gondry le dimanche qui suivit l'entrée des Américains à Nivelle, c'est-à-dire le dimanche 10 septembre 1944. Nous avons aussi voulu laisser un souvenir de qualité à tous ceux qui souhaitent participer, en éditant une plaquette souvenir et en faisant frapper une médaille spéciale. Mesdames, Messieurs, commémorer, c'est raviver la mémoire. Et nous avons donc fait appel à tous les acteurs et témoins encore en vie, combattants, prisonniers, résistants, réfractaires, victimes civiles et leurs familles. Nous avons également sollicité nos historiens et nous avons tenu à associer les directions d'école et les directions des mouvements de jeunesse. Tous ensemble, nous avons élaboré le programme le plus complet de la région. 3 expositions, 3 concerts, plusieurs publications, sans oublier cet après-midi le défilé des voitures et ce soir le bal populaire et le son et lumière que je vous recommande particulièrement. Notre souhait est que la diversité de ce programme non seulement ravive des souvenirs, mais suscite une réflexion, voire une prise de conscience. Commémorer, c'est aussi éventuellement créer la mémoire, témoigner du passé,
pour que ceux qui n'étaient pas nés ou qui étaient trop jeunes ne doivent pas le revivre. Cormier Henry, c'est bien sûr avant tout rendre hommage. Nous redisons ici solennellement notre reconnaissance à tous ceux qui se sont sacrifiés, à tous leurs parents et amis qui ont souffert de ces sacrifices, pour que revivent la liberté et la démocratie. Nous redisons ici solennellement notre reconnaissance à nos libérateurs. Nous sommes tous conscients de ce que ce 50e anniversaire arrive à un moment crucial de l'histoire de l'humanité. Nous pensons à la désespérance des jeunes sans emploi ni logement, à la drogue, à la violence, même dans nos écoles, au manque de solidarité entre riches et pauvres, entre nations riches et nations pauvres. Nous pensons à ces guerres fratricides, à ces massacres. La liste, hélas, en est bien longue en ce mois de septembre 1994. Néanmoins, nous pensons que commémorer, c'est aussi essayer de trouver le courage de dire « plus jamais cela » à ceux qui se réclament de ce nazisme ou de ces succès d'années dont nous commémorons aujourd'hui le souvenir des millions de victimes. Le rappel de leurs sacrifices doit nous aider à préserver la paix et construire un monde meilleur. Pensons donc plutôt à l'Afrique du Sud, à la Palestine et à l'Irlande, plutôt qu'au Rwanda ou à la Yougoslavie. Sachons toutefois aussi que dans notre propre pays, liberté, démocratie et justice sont des valeurs à défendre. Puisse cette commémoration du 50e anniversaire de la libération de notre bonne ville nous aider à trouver le courage nécessaire pour y arriver. Puisse cette commémoration nous aider à sensibiliser et convaincre notre jeunesse. Thank you.
event. Go. Monsieur le ministre. Mon colonel. On y va. Et oui, sir. Attention au tour de vin, du vin. Hein. Alors qui encore? Non. C'est plus à donner à personne. Non. Le deuxième. C'est fait, mais que vraiment lorsque nous avons ce...
Deuxième aéronautique quitte Nivelles et s'enfuit vers leur aérodrome de secours. Réveille les Nivellois.
Les maisons vibrent. Tremblement de terre? Orage? Tornade? Non. C'est la guerre. Des avions qui semblent remplir le ciel. Ils ont une croix gammée. C'est la Luftwaffe allemande qui bombarde le champ d'aviation. Une épaisse fumée noire monte dans le ciel. Un monde s'écroule. Vers 10 heures du matin, la population acclame les premiers convois militaires français. Qui traverse ce nivel et fonce vers l'est. Les accords d'Emkurs, plus jamais énerviront. El clopit sergedru, res piacario. El feno la rosti, tout un après dindé. J'aime des souris si bien, au mi-temps du mois de mai. El soleil tapoufour, tabzard sur les ardoues. Nos vidions tout binège, binège de tout dies. El puvi des accords, et el mise de toutes les clopes. Spardu dans les poutrelles, perdant Berlin Berloc. Et puis, il y a bien à l'heure, une audience après tout déjà, a bûché sur les cloques un coup, avec ce mardi. Mais voilà que je l'ai très fait, au mi-temps d'un nuage, il voit venir des sulvilles, et maintenant grand ramage, et une volée de pigeons, qui n'est reconnu chouiné, pour savoir venir chier dans les trous du cloquet. Une pince ou l'île pour l'homme, que ses brouillants mouchons, arrivent une desmolie, le pubia de nos corps. Un vrai feu d'artifice destruit joue tout le mardi. Après un pas d'El Grand Place, on ne s'avoue approcher. Et au mi-temps de tout ça, nos cloquis des vaincus contre la feuille d'un fier qui tout douce peint le rondu. Dans un dernier four, il a tué sur le pavé. Et aux heures, ça grandisse qui mousseront les nuées. C'est non dire au Seigneur qu'elle a dans ce paradis. Où est-il pour la bon Dieu, ce que les penchants fait. Les maisons du martyr ne sont plus qu'un mouchon de pierre. Elles chassent les Saint-Gédru et Stévoy, infumières. Mais elle puvit des aclones, ça n'y les y abatte. Il est de Meurice trempé, tout fier, sur ses deux pattes. Quasiment oustouéli, grimpi de sus tourelles. Saint-Lachie d'une minute, il veille sur vie nivelle. Il y a chien dire aux aclos qui pas de zou les rouettons, et adorons la colo, c'est pour quand, carillon ?
la gare de Boulers. Sa chute étouffe pendant quelques secondes le crépitement de l'incendie qui fait rage tout autour. Écrasé, pulvérisé par un monstrueux cataclysme,
La masse énorme de la collégiale profile son deuil sur le ciel. Malgré tout, le tour de Sainte-Gertrude va avoir lieu. Il n'y a pas de musique. Silencieusement, la procession s'ébranle parmi les ruines tragiques. Il y a près de 2000 personnes. Thank you.
même si on songe avec angoisse à nos prisonniers, à nos déportés qui sont toujours en Allemagne, dont on est sans doute. Chewing-gum, nylon, cigarette, chocolat. La grande passée noire du monde pour acclamer nos alliés. N'oubliez un mot, vous savez. D'accord, oubliez un mot. Zig-zig. Mademoiselle Zig-zig. La collégiale, sans vitraux, ses murs et ses voûtes trouées, semble revivre déjà. Au milieu de la petite grille circulaire, le mince perron de la ville, fier symbole épargné comme par miracle, est intact. Tandis que l'homme, solidement accroché à sa tour, Jean de Nivelle, toujours debout, fidèle au poste, son marteau bien en main, prêt à sonner le réveil. Oh, il y en a qui lui sont. La belle.